On n'est pas parti, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, parce que l'autre jour à l'avenue des Cocotiers, je rencontre une belle demoiselle. Moi, vous me connaissez, automatique, j'attaque. Je dis comme ça, mademoiselle, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance, solliciter amoureusement la faveur de bien vouloir m'accorder votre main. Depuis que je vous ai vu l'amour, comme un pilon bat dans le mortier de mon cœur. Elle me répond comme ça. Elle part par l'arbre, dit à nous qu'elle quitte la laisse-moi. Je suis catholique. Alors je ne me laisse pas faire. Je dis, mademoiselle, je vous félicite très sportivement de votre vitesse à la course, car vous êtes médaille d'or aux Jeux africains de la beauté. En effet, quand le bon Dieu distribuait le gâteau de la beauté, vous êtes arrivée la première. Vous avez pris la plus grosse part. Alors elle me fait comme ça. Attention, hein. Je vais dire à mon père, je vais dire à ma mère, si on va me parler même comme ça, tu me dis, mouf, qu'il la laisse moi, je suis catholique. Alors là, j'ai porté le coup final, j'ai dit, attention, mademoiselle, je ne suis pas n'importe qui. Hein? J'ai là dehors ma voiture, puis je travaille à la SICAM. Alors elle me répond comme ça, c'est vraiment vrai que tu travailles à la SICAM. À l'endroit où on vend les jolis tissus. Allons alors chez toi. Mais demain matin, il faudra m'amener chez monsieur le curé pour que j'aille me confesser parce que moi, je suis catholique.